sache que tu me plais beaucoup, ma Teresa. Je te laisse. Porte-toi bien, suis rentrée. Bye bye. Il m'a fait bisou. Ah! Cette fille-là, je la comprends pas, hein. J'espère que c'est pas ce que je pense. Bébé, toi et moi, il y a longtemps, hein. J'espère seulement que tu vas pas me faire 5 ici, 5 ici. Hein? Mais lève-toi et vois un peu là. Comment il peut refuser ça là? Eh hey, bébé. Y'a toi là. Faut pas m'énerver, hein. Tu as compris, non? Laisse-moi. Hé! Hey! Tu as vu? C'est toi, tu n'as pas une maison. Tu viens quémander ici et tu fais le malin. Tu as la grande gueule. Une femme SDF comme ça. Là. Bonsoir les filles. Regarde, j'aime pas ça. Hein. Tu as compris, non? J'aime pas ça. Regarde-moi SDF comme ça. S'il te plaît. Tu parles à un homme d'affaires. Un homme qui vaut des millions. Des milliards. Donc tu m'arrêtes ça. Tu comprends, non? Bébé, mon rôle à moi, il le connaît. Et puis, il me connaît. Allons, j'aime pas foutre les allons. Ah, ok, bye bye. On se revoit. Fais attention à ta vie, hein, mon frère. Non, mais dis-moi que t'as pas osé. Non. Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Non, mais tu déconnes, ma copine. Tu déconnes carrément, quoi. C'est super, ça. C'est pas croyable. Non, mais tu trouves ça super, toi. Hein? Leslie, tu trouves ça super. Ta copine fait ce genre de choses et toi, tu l'encourages. N'est-ce pas? Non, mais les filles... Je vous dis pas. Mais on a eu chaud! La go, elle pointait son couteau sur nous comme ça. Je veux haut, je veux pas haut. On est obligé? On a fait à trois. À trois, vous pouvez comprendre ça? Non, mais c'est une partout ça. Non, mais j'adore, c'est super ça. Alors, raconte, comment ça a été? Attendez, stop! Vous me décevez. Maya, Leslie, je suis déçue. Mais ces gars-là, je ne vais pas les rater. Surtout ce Arnaud, ton Arnaud-là. Je le guette depuis longtemps. Je vais faire une vidéo tout de suite. Je vais les détruire. De même. Attends, je le fais tout de suite même. Alors, bonjour la fille. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Et vos familles? Oui, ça va. Ça va? Ça va. Alors, Teresa. Oui, maman. Qu'est-ce que tu veux mettre sur Facebook? Maman, tu sais, c'est un truc de jeune, quoi. On a une petite sortie à l'école et on se communique le programme par Facebook. J'espère que c'est vrai. T'inquiète. Pas de conneries, hein, les filles? Oh, non, okay, non. D'accord. Soyez sages. D'accord. Des anges. Écoute, Teresa, je vais faire des courses et je reviens. Ok? Allez. Au revoir, maman. C'est pas fini. Je vais le faire bien. Ton Arnaud, là, il va pleurer aujourd'hui. Oh, ah, ça. Je dis. Quand on est en face de la mort, là. Hein? On fait beaucoup de choses, hein? Oh, tais-toi! Tu m'énerves, ta voix m'agace. Et toi, pourquoi tu ris? Non, c'est comme ça. Rentrez chez vous, j'aime pas ça. Je suis déçue.
Dis-moi quelqu'un. Je te dis que je suis mariée. Tu es prêt. J'ai deux enfants. Tu es prêt. Ah, maintenant tu veux venir. Faut venir. Faut venir. Vous n'avez pas dit que vous les garçons là, vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Attends. Bonjour chérie. Eh, bonne arrivée. C'est comment? Y a quoi? Ton visage est serré là. Je veux savoir une chose. Oui, dis-moi. C'est quelle photo tu as publiée sur Facebook là? Notre photo de mariage. Et pourquoi? Pourquoi comment? Pourquoi tu publies? Parce que c'est notre anniversaire de mariage. Tu ne m'as pas souhaité joyeux anniversaire. Tu n'as pas voulu fêter. Donc, voilà, j'ai publié la photo sur Facebook pour que les gens likent et voilà, mettent des commentaires de félicitations. Cela me permet de me souvenir de ce jour merveilleux. Ah bon? Moi, je vais être clair avec toi. Cette photo, il faut que tu la supprimes immédiatement. C'est notre intimité. Tu as compris? Comment tu peux te lever, hein? Et puis tu mets notre photo sur Facebook et tu commentes M. Becker et sa femme. Pourquoi? Jusqu'à demain, je vais mettre, tant que je serai Madame Becker et que tu es mon mari, je vais mettre notre photo en photo de profil, en photo partout. Je vais mettre nos photos. Tu comprends? Ce que tu veux cacher là, on va révéler ça. Tu parles de quoi? Parce que c'est notre intimité. C'est notre intimité, tu n'as pas besoin de mettre ça sur Facebook. Est-ce que nous sommes les seuls couples sur cette terre? Ou bien, je ne suis pas... Après tout, c'est Becker. Je suis une autorité, je suis une grande personnalité. Tu ne peux pas prendre ma photo et puis la poster sur Facebook. Et puis la faire liker par de n'importe qui. Pourquoi? Tu l'enlèves, je ne veux pas discuter avec toi. Tu as compris? Tu parles de quoi? Faut pas m'énerver. Si tu n'as rien à dire, si tu as eu problème dehors là, faut aller régler ça avec eux. Faut me laisser tranquille. Tu m'entends? Tu peux pas venir parler sur moi parce que j'ai mis notre photo de mariage sur Facebook. Chérie, on dit garçon là. Garçon parle pas beaucoup. Moi j'ai dit, oh, il faut enlever la photo là. Moi je parle plus beaucoup. Hein. Photo que tu as mis là, il faut enlever. Moi je parle plus beaucoup. J'ai dit, si je répète. Écoute-moi, si c'est toi qui m'as marié ou bien c'est moi qui t'ai marié là. Il y a des photos là, il faut enlever. Tu m'as marié, mais je ne vais pas enlever. D'accord, faut laisser ça, on va voir. Regardez-moi ça. À quoi de tes petites filles, tu dragues sur Facebook là. À quoi de ça, tu ne veux pas qu'on mette photo. Je vais mettre ça, pien. J'affirme, je confirme mon territoire. Si ça ne te plaît pas là, fais ce que tu veux. Ce n'est pas un crime. Oui, allô, Davido. Bon, je suis devant une construction là, je pense bien que c'est chez toi là. Hein? Oui, oui. Ok, d'accord. Je suis là. Oh, le coron Becker. Ouais. Ah, le papa. Davido. Mais c'est quelle surprise tu me fais comme ça là? Mon papa. Ah, là, attends, j'ai. Yeah. T'es un bazin, hein? Ouais, on dit quoi ça? Ah, ouais, ça va le vieux, je suis là. Tout va bien. Davido. Quoi le vieux? J'ai un deal pour toi. C'est pour ça qu'il t'aime là le vieux. Et je veux que tu sois opérationnel. Pour toi là, il faut même pas ton cœur. Prends. Mais le vieux, il n'y a rien. C'est un chèque blanc. Ouais, c'est expressément fait. Tu mettras le montant que tu veux. Mais je te donne 48 heures. Je veux que tu pirates le compte Facebook de ma femme. Je veux savoir tous les petits détails. Okay.
à toi de voir. 48 heures. Et je reste à l'écoute. Bye. Alors mon fils, ça va bien? Ça va très bien. Et ta mère? Ah, elle se porte très bien. Ah maman, si je suis là ce matin, c'est pour vous parler de Teresa, maman. Oui? Maman, Teresa déconne trop ces temps-ci. Elle est tout le temps connectée sur Facebook, maman. Ah oui? Elle ne fait que critiquer des gens. Hein? Et ses publications, maman. Et ses photos, maman. Quoi? Ma fille Teresa, sur Facebook. Elle met ses photos sur Facebook. Eh, mon Dieu! Comment Teresa peut faire des trucs comme ça? L'éducation que je lui ai donnée là, elle a pris ça, j'étais pour aller mettre ça sur Facebook. Hein? Des photos. Eh mon Dieu. Eh! Vous les jeunes d'aujourd'hui là, c'est grave. Tout le temps, histoire de Facebook, Facebook, Facebook. Mais comment tu vas aller mettre ta personnalité, ta vie intime sur Facebook comme ça? Hein? Maman, sur Facebook, c'est la reine Teresa, la Miss Teresa, Teresa Chou, maman. Tu sais que je l'aime. Je l'aime comme ma petite soeur chérie, maman. Mais si elle continue comme ça, je pense que les gens vont la défigurer, maman. Hein? Si. Jusqu'à ce point-là? Mon Dieu! On va la tuer et puis je vais faire comment? Eh, Teresa ne peut pas me faire ça. Elle n'ose pas. Hein? Tous les jours, je la vois se connecter, mais je ne savais pas que ce sont des conneries comme ça qu'elle envoie sur Facebook. Hein? Non, non. Ce qu'elle veut là, c'est me tuer et tuer son papa. C'est ça. Mais elle n'a qu'à continuer. Elle va avoir tout ce qu'elle veut là. Là, elle va rester avec ses soi-disant quoi là. C'est son problème. Comment on va te donner une éducation? Et tu fais comme si tu n'as jamais reçu d'éducation. Aller poster ta photo comme ça sur Facebook. Hein? Maman, actuellement, elle est la directrice générale de Facebook. Ah oui? Combien on va lui donner comme salaire? Maman, tu n'as pas de salaire. Il n'y a pas de salaire. C'est les commentaires. C'est je t'aime. Les sexy. Hein? Tu es belle. Lol. Je te kiffe. Mon fils. Ne me dis pas ça. Teresa, me faire ça. Maman, si tu vois sa dernière publication, maman, elle a critiqué tout le monde, même sa famille. Hein? Mm-hmm. Hey, Teresa, tu vas me tuer. Hey! Mon Dieu, pourquoi? C'est pas possible. Tu éduques une enfant et elle te rend ça comme récompense. On dit oh, que c'est souvent ce que tu ne veux pas là, que ton chien là va aller attraper pour toi. Mais histoire de Teresa là, je crois que c'est ça. Mais aujourd'hui là, elle viendra me trouver ici. Ce qu'elle veut là, je vais le lui donner. Je vais lui montrer que je suis sa mère. C'est quoi cette histoire là? Aller vendre toute sa vie comme ça, ta vie privée sur des réseaux sociaux. Hein? Maman, je vais te faire sortir ces images, tu vas regarder toi-même et tu vas juger. Mon fils, j'ai honte. J'ai vraiment honte que ma fille se comporte de la sorte. C'est regrettable. Ok, je vais demander la route. Mais vraiment, je te remercie beaucoup d'être passé me voir.
pas de problème. Je vais résoudre ce problème-là. Merci, maman. Tu diras bonjour à ta maman de ma part. Je ne manquerai pas. J'aime pas, je suis pas à l'aise. Quand il vient, il n'aime pas ça. Regarde, regarde, je vous dis. Regarde-moi ça, ça c'est quoi ça? La porte n'est même pas fermée. Elle doit être là, il dit pas non. Mais pourquoi c'est ouvert? Regarde, n'importe qui, regarde, il y a des moraux là-bas qui sont en train de taper faire là-bas. Il peut venir, lui faire du mal. Teresa. Adèle, elle est mauvaise, hein? C'est ce qu'elle m'a dit hier. Elle m'a insultée comme ça. Elle nous a insultés tous même. Même toi-même, tu es dedans. Elle a dit qu'elle s'en fout de toi. Oui. Non, 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 non. Elle a dit qu'elle va nous mettre la honte sur Facebook. Qu'on a fait 2 mois sans payer le loyer. On est là, on fait nos manèges sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'elle a dit. Oui. Mais bon, Dieu merci, j'ai appelé mon papa hier. Non. Pourquoi tu penses au pire même tout le temps? C'est normal. Je dois penser au pire. C'est Davido. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ma star, pardon mon bébé, pardon, laisse ça. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Long. Faut ouvrir tout là. Oui, rentrez. Ah, c'est ma soeur, je te rappelle. Hey, sister. Coucou, Kita. Ça va? Tu as duré, hein? Non, excuse-moi. Je vais pas te chercher, mon chéri. C'est pour ça que je t'ai appelé. Mon chèque. Quel chèque? Aïe, comment ça, quel chèque? Mais je demande quel chèque. Papa, t'as pas remis un chèque pour moi? On s'est vu ce matin, on a même bavardé, même. Il m'a rien donné. Non, c'est pas possible. Il peut pas me faire ça. Il doit te remettre un chèque pour moi. Papa et moi, on s'est vu ce matin. On n'a pas poté, mais il m'a rien donné, il m'a rien dit. Désolée. Tu vas me faire ça des why. Ah, ok, c'est bon. J'ai ton chèque. Sister. Le voilà. Comment tu as chauffé mon cœur? Je jubile pas trop vite. Voilà. Ah, sister. Toi et moi, il n'y a pas ça. Dieu! Dans Ouagadougou là. En fait, on ne s'amuse pas avec. Pardon, donne-moi mon transport, j'ai quitté ici. Faut voir ton chéri. En parlant de lui. Bébé, je te présente ma petite soeur, Leslie. Davido, mon amour, ton futur beau. Baiser, ça va? Davido. Personne, en chair et en os. 2 minutes, 2 millions. En personne. J'ai raté un épisode ou quoi? Vous vous connaissez tous les deux? Non, bébé, toi aussi. C'est quand même moi, c'est Davido. Hein? Je suis une star, c'est même fan. Tu vois, sur Facebook, elles sont là, likées, partagées. Bébé, n'en doute pas. Pardon, laisse-moi avec ma soeur, je vais lui parler. Oh, et parler de quoi? Parce que là, nous, on a réservé une table et on ira manger au restaurant en amoureux. C'est la belle. N'est-ce pas, les gars? Moi, oui. Alors, tu as mis le sucre dans la bouche, là, regarde. Sur ce. Bon, mais ça, c'est bien moi. Hé, hey, ma belle. Ah. Non, c'est pas possible. Pourquoi ma soeur? Je comprends pourquoi elle dit. Essence même, elle n'a pas d'argent. David doit arruiner ma soeur. Oh. Hey, Seigneur. C'est ce gars-là qu'elle a trouvé. Non, il faut que je lui dise qui il est celui-là. Un imbécile comme ça. Ah!
faut que j'informe tout ça là aux filles. Oui. Ah. Bonjour chérie. Oui chérie, bonjour. Il faut te lever, je vais te parler. Aïe. C'est aussi sérieux que ça? Je dis, pourquoi tu publies ma photo sur ta page Facebook? Quelle photo? Tu as publié une de mes photos où tu as dit Madame Baker, non? Mais tu es qui pour moi? Je suis ta femme. Alors, où est le problème? La dernière fois quand j'ai publié une autre photo, c'est pas toi qui es venu faire un scandale ici, me demandant de supprimer. Après réflexion, la même nuit, j'ai supprimé la photo. C'est quoi qui te prend pour que toi, tu viennes mettre ma photo sur ta page? Je vais tenter l'expérience aussi pour voir ce que ça fait. Ah non, 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 je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. À l'heure où je suis là, je suis suivi partout dans le monde. Ok? Quand je publie une photo comme ça là, en 15 minutes, j'ai plus de 2000 likes. Donc, faut pas venir gâter mes ken. Chérie, à cause de ce que tu viens de dire, même tout à l'heure là, je vais publier les photos. Pour que ceux qui te like là, ceux qui like tes posts là, hein, ils vont savoir que tu es une femme mariée. Ok, on va couper court. Oui. Je vais te bloquer. C'est parce que tu as accès à ma page Facebook que tu viens publier des choses pour m'identifier. Non, je vais te bloquer. Ok, d'accord. Tu me bloques, je te retire le téléphone parce que c'est moi qui l'ai acheté. Ah, c'est un téléphone que je ne peux pas me... Si tu me retires là, mes amis sur Facebook vont cotiser pour me payer un nouveau portable. S'ils ont cotisé là, hein, ils n'ont qu'à cotiser pour te chercher maison. J'en ai fini. D'accord. Tu as compris, non? Si c'est ça là, si c'est ça que tu veux me montrer là, s'ils cotisent pour payer portable pour toi là, ils n'ont qu'à cotiser pour te chercher maison. Parce que ce n'est plus dans ma maison tu vas venir t'asseoir pour, avec les plaisantins likés. Jamais. Ce n'est pas dans la maison de Becker. Ah. Why? Katwede, Karurunkaye, c'est pas dans cette maison là. Ah. D'accord. Tu veux me faire croire que quoi? Hein? C'est moi qui t'ai marié, c'est pas toi qui m'as marié. Toi, tu as mis ma photo, tu as pris nos photos, tu as mis, j'ai parlé, tu as crié sur moi ici. Pour toi, je mets maintenant, tu viens, je mets. Tu me bloques, je retire mon téléphone. On cotise pour toi, ils vont cotiser pour te trouver une maison. Même si c'est château, ils vont payer pour toi, c'est pas mon problème. Je veux que tu pirates le compte de Baker pour moi. Ces deux portables. Quoi? David, le que tu vois là, c'est mon cœur. Tu dis que David, c'est un bandit. C'est un voleur. C'est un gigolo. C'est un braqueur. Mais laisse-moi te rappeler que je l'aime comme ça. Hein? C'est un dur gars, tu sais pas. Moi-même, j'aime pas les garçons qui sont mous. Comme femme là. Moi, j'aime les garçons qui me frappent là. Amour mazo. C'est ça, moi, j'aime. Les Facebookers, les Facebookers.
Facebooker.